il n'est point ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir le lieu où il était couché. Le premier jour de la semaine, tôt le matin, alors qu'il faisait encore nuit, les femmes, Marie de Magdala et l'autre Marie, fidèles au poste, prennent le chemin qui les conduit au sépulcre. Elles devaient, de coutume, embaumer le corps de leur Seigneur mort d'il y a 3 jours. Elles étaient si préoccupées par leur mission qu'elles oubliaient que le tombeau était scellé d'une grande pierre, si grande qu'à elles seules, elles ne pourraient pas la rouler. Telle fut leur surprise en arrivant au tombeau, elles ne trouvèrent pas le corps de leur maître, mais elles sont plutôt en présence de 2 gardes qui tremblent de peur et d'un ange qui garde le tombeau. Les femmes ne comprenaient rien du tout à la scène. Il n'est point ici. Il est ressuscité, comme il l'avait dit, leur annonça l'ange. Ressuscité? Comme il l'avait dit? Alors c'était vrai? Il est vraiment ressuscité? Vous savez, les femmes ont eu la chance, durant le ministère terrestre de Jésus, d'assister à au moins 3 résurrections dont Jésus en est l'auteur. Le fils de la veuve de Naïm, la fille de Jaïr et Lazare. Elles le savaient capable de ressusciter des morts. Pourtant, elles étaient perplexes à l'annonce du ressuscité lui-même. L'ange, pour les convaincre, les invite à vérifier par elles-mêmes. Venez, voyez le lieu où il était couché. Le sépulcre était vide, mais le linge et le suaire étaient pliés dans un coin à part. L'ordre dans lequel se trouvaient les linges montrait avec quel calme et quelle dignité le Fils de Dieu avait quitté le séjour des morts. Il y est rentré en maître et est ressorti en souverain. Sa résurrection scellait la promesse qu'il avait faite aux disciples. Sa résurrection va donner aux disciples une vraie raison de vivre. Sa résurrection nous permet aujourd'hui d'espérer. Sa résurrection a fermé la bouche de l'adversaire, il lui a cloué le bec et les ongles. Sa puissance a été anéantie le jour où le tombeau a été ouvert. Il n'y peut rien contre l'Église dont toi et moi faisons partie. Et ce matin, après plus de 2000 ans, nous sommes fiers d'être les fils et les filles de ce Sauveur adorable. Grâce à sa résurrection, notre foi n'est pas vaine. Lui seul est digne d'ouvrir le livre. Lui seul est capable de rompre les sceaux. Gloire à l'agneau immolé.